Gérald, docteur Kirzak, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'asthme et cette date rime aussi avec le retour du pollen. Et pollen et asthme, ça ne fait ouais. pas vraiment bon ménage. Ah hein non, ça ne fait pas bon ménage. C'est hein. l'essentiel en termes de cause, c'est l'allergie. Alors il y a des asthmatiques sans allergie, mais enfin globalement on sait que c'est les pollens, il y a les polluants également. On parle du dioxyde d'ozone, on parle de l'azote, enfin tous ces polluants environnants. On sait que quand il y a un pic de pollution, il y a un pic d'asthme également et ça concerne beaucoup de monde. C'est la journée mondiale, vous le dites, et rien quand en France, c'est 4 millions de Françaises ah oui, même, et de Français hein qui sont euh, atteints d'asthme, un quart d'enfants et d'adolescents. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on est asthmatique enfant qu'on va le rester toute sa ouais. vie. Ça peut que les phénomènes hormonaux de l'adolescence changent. Et à contrario, on peut ne pas être asthmatique quand on est enfant ou ado et devenir asthmatique, notamment sous l'effet des polluants et, et, des, et des pollens. 1000 décès, on meurt en France Oui, 1000 ouais. décès par an. Et ça, c'est un chiffre impressionnant parce qu'on se dit bah, que l'asthme, finalement, mmh. c'est une maladie pas très grave. Mmh. On risque pas d'en mourir. Non, il y a des asthmes qu'on appelle aigu où il n'y a même pas le temps d'appeler les secours, etc. D'où l'intérêt de ne pas négliger cet asthme-là, parce que bah, c'est dommage, il y a un traitement qui existe, il y a des traitements de fond, des traitements de la crise, et on en meurt encore en, en, 2000, en 2023. Alors on va rentrer en détail, c'est quoi exactement l'asthme, docteur, et est-ce que c'est toujours une urgence alors, ce n'est pas toujours une urgence, c'est une maladie chronique en fait. C'est une maladie inflammatoire chronique. Quand je dis inflammatoire, on pense souvent aux bronches qui vont se fermer. C'est ce qu'on appelle le bronchospasme. Mais en réalité, regardez ce qui se passe dans nos poumons et dans les bronches. Il y a d'abord une inflammation. C'est un tuyau qui amène l'air au poumon. Et ce tuyau, il va devenir inflammatoire, il va se remplir de mucus. Et on voit bien que l'air, bah, il passe pas à l'intérieur mmh. des bronches. C'est-à-dire, quand c'est inflammatoire et qu'il y a du mucus et qu'en plus, ça se spasme, c'est-à-dire qu'il les petits muscles autour des bronches qui font que ça ferme, bah, ça ferme complètement les tuyaux. De d'entrée de l'oxygène et donc vous vous retrouvez avec une crise, une respiration sifflante et on connaît bien la respiration de l'asthmatique, ça siffle, ça siffle à l'expiration, vous êtes assis au bord du lit, vous n'arrivez pas non seulement à prendre de l'air mais à expirer l'air et c'est ça la crise d'asthme qui peut être euh, chronique, qui peut être aiguë ou qui peut être suraigu et c'est tout l'intérêt de faire un traitement de fond parce que la composante du bronchospasme vous savez, c'est ça, hein, on utilise on euh, bien, les le fameux, euh, mmh. la ventoline, alors ça c'est le nom commercial, mais les bêta bétadomimétiques, hein, ce sont des bronchodilatateurs qui vont ouvrir la, la bronche. Mais il y a aussi la composante inflammatoire qui est importante. Et cette composante inflammatoire, bah, c'est avec des traitements de fond au long cours. Donc la crise, oui, on prend la, la, mmh. la fameuse ventoline. Et puis euh, l'inflammation, par contre, bah, c'est plutôt un traitement de fond. Et ça c'est important de ne pas le négliger. Et alors quand est-ce que ça devient vraiment une urgence Alors quand la crise est inhabituelle, les asthmatiques se connaissent bien. Et quand la crise, elle est plus grave que d'habitude, elle est inhabituelle, vous faites 2, 4, 6 bouffées de, de, de ventoline et vous n'y arrivez pas, cest à que ça… Continue à, à, à vous gêner ou alors euh, la personne est agitée, n'arrive plus à parler. Vous voyez que les muscles, savez, les muscles du cou s'attirent, on cherche de l'air, on va aller chercher euh, l'oxygène. Ben là, il si, ne faut pas attendre, il faut appeler le 15 parce qu'on le voit, ça peut être un, une crise d'asthme suraiguë. Donc on ne cherche pas à attendre. vaut mieux appeler encore une soirs. fois les urgences le 15 pour rien et à ce moment-là, ben, on vous enverra ce qu'il faut, les secours, etc. Mmh. plutôt que d'attendre et de se dire ça va passer, surtout si on est un petit peu isolé. Alors justement, en attendant les secours ou si c'est une crise. Un petit peu moins grave. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit pas faire Alors grave ou pas grave, on va déjà libérer un peu les voies aériennes, on dégrafe le, le col, on va dégraffer la ceinture, on va faciliter la respiration. On sait que la position assise est plutôt une, une position où on respire un petit peu mieux. Et puis on va aider la personne à faire justement ces bêta de C'est ça paraît bête, mais les enfants, par exemple, ne savent pas faire oui. parce qu'il faut une a coordination. Bah ben oui, puis il faut une coordination, oui. surtout entre sa main et sa respiration. Donc il faut vraiment bien savoir l'utiliser. Pas hésiter à demander à votre pharmacien. Pharmacien, médecin, comment on l'utilise Il y a des petites chambres d'inhalation qui mm. permettent de faire plusieurs pshi 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 dans une chambre et donc de plus avoir à coordonner. Et comme ça, on peut respirer. Et sinon, c'est relativement simple. Une fois qu'on connaît, on ne le met pas forcément dans la bouche. On voit la, la dame qui le met euh, euh, sur la photo. Ah, un peu. Oui, et on, ça ne sort on... pas non, parce que si vous le mettez trop dans la bouche, tout le produit va aller dans votre gorge et pas dans les poumons. Donc il y a vraiment un effort de coordination où on va appuyer et en même temps on va inspirer de façon à ce que ça distribue tout le produit au niveau de l'arbre respiratoire, au niveau des bronches et que ça puisse ouvrir ces, ces petites bronquelles qui sont fermées à cause de la crise d'asthme. Pas que pour les enfants, même les adultes, je pense qu'il faut un peu de coordination il faut un peu il faut de parfois. Parfois on, on le fait mal, on dit ça ne marche voilà. pas, etc. Ouais. Donc n'hésitez pas à redemander à un professionnel Moi, de santé comment on fait.